Délicieux. Il faut absolument que vous me donniez la recette. Hippolyte, votre moustache. Vous avez remarqué? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire. Non, votre moustache est pleine de lait. Punition générale! Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache, il exagère, Hippolyte. Chaque fois qu'il se tape la honte devant Odile, il se venge sur nous. C'est parce qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl. Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances. Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il y aurait pas un... Génial, on fonce. Ah, j'avais oublié que c'était si loin. D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fruit. Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre. Super. Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin. Normal. Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère. Bah, c'est dégueu. L'amour, c'est un truc de fille. Nous, on craque pour revenir à Psen. Il est trop beau. Et DJ Romeo, trop craquant. Les filles, on a parlé d'amour sincère. Bon, qui d'autre est amoureux? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes. Je sais que c'est bizarre, mais pourtant je les aime. Ok, c'est pas gagné. Ça marche! Continue, Greta. Fraction, division à 8 chiffres, équation et géométrie analytique, vous me faites tourner la tête. Pour ça, pas besoin de théorème, mathématiques, je vous aime. Wow, la pomme d'amour. Elle sent bon. Squeak, non. Elle est pour Odile et Hippolyte. Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour. Hippolyte a vraiment de drôles d'idées. Elle est encore loin, sa surprise? Non, on y est presque. Un cadeau d'Odile? Pour moi? Oh, où ça? Où ça? Ce parfum? Comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour? Oh, oui, qu'il est squicouigné à son papa. Oh, qu'il est beau. C'est à qui les petites quenottes, mon squicounet? Oh là 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 là. Qui veut des pâtes de fruits bio? Merci. Pauvre Odile, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose.
Il y a deux trucs que Squeak aime plus que tout: manger et s'amuser. C'est à qui le joujou? C'est à qui le joujou? Ah, ce cookie a vraiment l'air délicieux. Oh, c'est pour moi. Merci, mon Squeakounet d'amour. Aïe, Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait. Pas la peine d'insister, ils sont irrécupérables. Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues. Viens, chouchou. Apparemment, on gêne. C'est fichu. Squeak n'en a plus que pour ce grand dadé d'Hippolyte. T'inquiète, ils ont des caractères de cochon. Ils vont bien finir par se disputer. Oh, Matt, t'es un génie. J'aurais mieux fait de me taire. S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde. Ça vaut la peine d'essayer. Allez, Greta, dis un truc méchant pour voir. Mais je veux pas dire du mal des autres, moi. Quelle chouchotte. Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème. Quoi? Fais gaffe à ce que tu dis. Réaction typique de fille. Je suis avec toi, Matt. Tu parles pas comme ça à ma sœur. Si je veux. Oh, macho. Crâneuse. Gros nul. Petite peste. Oh, c'est horrible cette odeur. Ryan, abuse là. Non, je crois que ça vient d'ici. Hippolyte et Squeak ne goûteront jamais à ce truc-là. Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises. Aime-moi tendrement. Aime-moi vraiment. Oh, oh, excusez-moi, je gêne peut-être. Merci. Oh, il a faim le Squeakounet. Bouge pas, mon chouchou, je vais te chercher un petit quelque chose. Hippolyte, c'est ma chambre. Oh, très joli. Ah, l'odeur a pratiquement disparu. Demain, on profitera du petit-déj pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte. Génial! Comme ça, ils se douteront de rien. De quoi on ne doit pas se douter exactement? C'est à cause de la surprise pour Squeak. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. On voulait lui faire un goûter surprise. Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire! C'est une fête énorme! Odile? Hippolyte? Oui? Odile, vous me décevez beaucoup. Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme. Mais enfin, je ne comprends pas. C'est une honte. Oubliez comme ça un anniversaire. C'est impossible. Je connais par cœur les dates de naissance des enfants. Je parle de l'anniversaire de Squeak. Il nous faut des crêpes. Une montagne de crêpes. Eh ben allez, on s'y met là, au boulot. J'en ai assez. Faites-les vous-même vos crêpes. Oh, je vois. Madame est au régime. C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres. Wow. Surprise. Oh, bon anniversaire, mon Squeakounet. Vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes. Oh, délicieuse idée. Hein? Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte? Les femmes d'abord. Odile, à votre place, j'éviterai. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je sais ce que je fais. Oh, quel dommage. Il n'y en a plus. Oh. Vous êtes au régime, je vous rappelle. Oh. Dites tout de suite que je suis grosse.
vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves. Par contre, moi, j'ai de la place. Quelle mufle! Aïe, aïe, aïe. Que j'ai retrouvé mon Squeak. Mais qu'est-ce que c'est que ces accoutrements? C'est complètement ridicule. Je ne disais pas ça pour vous, Odile. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Odile? Je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des mûres avec moi. Désolée, j'évite de manger trop sucré. Mais pourquoi donc? Vous avez une silhouette de jeune fille. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Finalement, je les préfère comme ça, maladroit et pas fichu de se dire je t'aime. Oui, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose. Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel? Non. Hippolyte est super photogénique. Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog. Panique, chère Odile. Je vous rapporte ça tout de suite. Votre mouchoir, madame la directrice. Vous êtes un vrai gentleman, Hippolyte. Tout le plaisir était pour moi. C'est qu'ils peuvent être mignons alors, ces deux-là. Bonjour, les enfants. Quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Tout ça pour un mouchoir? Bah oui, c'est ça l'amour. Comme nous avec DJ Roméo. Moi, mon histoire d'amour, c'est avec les poèmes. Y'a rien de plus beau au monde. N'importe quoi. Moi et mon skate, ça c'est une vraie histoire. Ouais, et Matt, il aime bien Annette. Quoi, moi? Pas du tout. Non, je la trouve sympa, c'est tout. Et toi, Malik, t'as déjà été amoureux? Ben non. C'est normal, c'est parce qu'il était trop petit. Mais c'est pas une raison, j'aimerais savoir ce que ça fait moi aussi. C'est comme si t'étais sur un petit nuage. Ou comme si tu mangeais la meilleure glace du monde. Ou comme si tu câlinais le plus doux des doudous. Ou comme si tu faisais du skate sur une rampe de 10 km de haut. Ça a l'air trop bien d'être amoureux. Carrément. Pas vrai, Matt? Matt et Annette. Moi aussi, j'ai envie de manger une glace sur une rampe de 10 km de haut en serrant un gros doudou. Flapacha, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes grand. Vous devez tout connaître, surtout. Vous pourriez me dire où je peux trouver de l'amour? C'est quoi ce truc? Ah!
La Pacha m'a carrément donné un détecteur d'amour. Et il a l'air d'avoir plein d'options. Alors c'est ça l'amour? Ça ressemble pas du tout à ce que m'ont dit les autres. Hé, reviens! Bonjour, Malik. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Odile, je vous ai préparé vos gâteaux préférés. C'est gentil, hein? Mais je ne vous ai rien demandé. Au revoir, Hippolyte. Et maintenant, Odile n'aime plus du tout Hippolyte. Je savais que j'aurais dû faire des crêpes. Faut vite que je retrouve cet oiseau. Matt et Annette. Non, je ne veux pas de crêpes non plus. Mais elle est à la crème de courgette. Goûtez au moins un petit bout. Et arrêtez de me suivre, hein. C'est agaçant à la fin. J'ai jamais vu Odile refuser une crêpe. Surtout à la crème de courgette, c'est celle qu'elle préfère. Ça veut dire que c'est grave. Laissez faire le spécialiste. C'est une mission pour la brigade de l'amour. Si pour qui les bons gâteaux? Tu veux me dire un truc? Mais parle moins vite. J'ai rien compris. Mais quelque chose me dit que c'était hyper important. Plus personne ne bouge. C'est la brigade de l'amour. Alors, quelqu'un a un vilain bobo à son petit cœur? Oui, c'est moi. Ça va aller mieux maintenant qu'on est là. On va vous aider avec Odile. On commence quand? Tout de suite. Oh, les enfants, c'est vraiment adorable. Oui, il n'y a que deux couverts. Oh, c'est encore vous. J'espère qu'il n'y aura pas de crêpes au menu. Vous êtes vraiment en beauté ce soir, chère Odile. Cette petite veste vous va ravir. C'est le même que ce matin. Essayez-vous de me dire que je ne suis pas assez bien habillée? Oh non, pas du tout. Oh, arrêtez avec votre ton mielleux. C'est insupportable, hein. À plus tard, Odile. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Bon, bah il reste plus qu'à ralentir tout ça. Oh. Odile, vos yeux sont comme deux grands lacs dont la surface scintille sous les étoiles. Comme deux grandes flaques dont la menace fourmille sous les poils. Je vous demande pardon. Vous êtes fraîche et innocente comme l'agneau qui vient de naître. Vous êtes rêche et corpulente comme le veau qui vient de paître. Oh, mais quelle mufle! J'en ai assez entendu. Adieu. Je sais ce qu'il me reste à faire. Me retirer de ce camp pour toujours. Adieu, les enfants. Bravo, les spécialistes. Oh, ça va, je rigolais. Voyons voir ce que tu essayais de me dire.
Où êtes-vous, Hippolyte? C'est bizarre. C'est comme si Odile avait été complètement vidée de son amour pour Hippolyte. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est de ma faute. Bravo, le spécialiste! Oh, ça va, je rigolais. Papa! Oh, j'aurais jamais pensé que l'amour ressemblait à un petit oiseau. Il faut juste qu'il retourne dans le cœur d'Odile et toute l'histoire sera réglée. C'est pas aussi simple. Il vole beaucoup trop vite pour qu'on l'attrape. Comment on va faire alors? Je crois que j'ai une idée, mais je vais avoir besoin de vous. Hippolyte! 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 Odile! Hein? Ramenez-moi tout de suite dans mon arbre! Hé oh! C'est lui que tu cherches? Ça marche! Oh, mais où vous m'emmenez comme ça? Ici, bougez pas, hein! On a une petite surprise pour vous. Oh non, j'espère qu'ils ne vont pas chercher l'autre en douille. Mais ils me foncent dessus! À moi vite! Allez-y, Hippolyte, ouvrez votre cœur! Odile, il faut que je vous dise, je vous aime! Vous n'avez rien? Madame la directrice, vous n'êtes plus fâchée? Qu'est-ce que vous racontez? Et puis, remettez votre chapeau, vous allez prendre froid comme ça. Et si nous allions déguster une de vos délicieuses crêpes à la crème de courgette? Youhou! Dis donc, t'es un vrai petit cupidon. Ouais. En tout cas, je suis plus trop pressée de savoir ce que ça fait d'être amoureux. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, tu te débrouilles pas si mal. Merci, Lisa. Un amoureux en détresse. Ça, c'est encore une mission pour...